Alors voilà, salut, c'est encore moi. Je suis toujours au Cap Colca. Enfin, là, je suis dans le petit village de Colca. J'attends mon bus pour rentrer sur Riga. Il y a 3 h 30 de route à peu près depuis Riga. Mais ça vaut le coup de venir jusqu'ici pour voir le Cap, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, avec la mer Baltique qui rejoint le golfe de Riga. Le village en lui-même, il est très petit. Il y a deux petites épiceries, une poste, une pharmacie, une toute petite salle communale. Mais il y a quand même trois églises, une église orthodoxe, une église luthérienne et une église catholique. Bon, c'est des toutes petites églises aussi, hein. Elles sont assez intéressantes, notamment l'église catholique qui est faite tout en bois. Je vous mettrai les photos un peu plus bas. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à voir ici, mais je suis vraiment pas déçue d'avoir fait autant de route. Je voulais absolument venir voir le Cap Colca, donc ces deux mers qui se rejoignent. Et franchement, j'ai pas été déçue. Voilà, je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt.